Allez, Goliath, vas-y. Défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de Mathieu. Oh, come on. Allez Goliath. Eh hey, lui tu l'as tapé, je vous dis. Yo, salut les gens, c'est Goliath, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro, une nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Accompagné cette fois-ci pour la suite de mon défi H-48, accompagné donc de la P90, une arme qui est 100% belge, je tiens à le préciser, la P90 pour vous les Français. Donc aujourd'hui je vous présente ma 14e Moab concernant ce défi H-48 qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un défi que je m'étais lancé, réaliser toutes les mobs, donc toutes les nucléaires de Modern Warfare 3 au niveau fusil d'assaut et mitraillette en moins de 48 heures. J'avais réalisé ce défi, je vous assure, ce n'était pas au début de Modern Warfare 3 que j'avais réalisé ce défi, c'était il y a encore quelques mois que j'ai réalisé ce défi, au moment où il y a plein de cheats, plein de lobbies, plein de hacks. Donc voilà, c'était vraiment pas évident, surtout bon, avec ma connexion, vous le savez très bien, la compensation, le retard de connexion, etc. J'ai une connexion qui est quand même assez bonne, qui est quand même très bonne, parce que je suis pratiquement à chaque partie l'hôte de la partie, que ce soit sur n'importe quel FPS, que ce soit concernant Far Cry 3, Far Cry 4, les Call of Duty confondus. Donc je suis toujours l'hôte, c'est toujours moi, chaque fois que je pars, chaque fois que je sais pas jouer, je suis toujours l'hôte de la partie. Donc voilà, j'étais vraiment très fier de moi, même avec un temps de retard pas possible sur tout le monde, j'étais quand même assez fier, assez content de moi de réaliser, de concrétiser ce défi, cet objectif que je m'étais lancé. Donc voilà. Moi je tiens à lancer ce défi à n'importe qui et essayer de réaliser toutes ces mobs que j'ai pu faire avec de la compensation, avec du temps de retard, avec une seconde de retard sur tout le monde, et je pense que vous allez bien savoir ce que c'est que bouffer de la compensation à chaque partie. Donc voilà. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve sur une map que j'apprécie particulièrement, c'est la map d'Arcaden. C'est dans cette map là que j'ai réalisé ma toute première mob accompagnée de Mikado, alias, je veux dire, le végétarien, parce qu'il adore les plantes, il adore il adore rester au pied des plantes, celui-là, donc c'est vraiment resté gravé. Ben justement, la plante, elle est juste en face de nous, c'est cette plante-là, en fait, c'était sa maison, donc voilà, petit clin d'œil à Mikado, ça fait longtemps que je l'ai vu sur un jeu, celui-là. Donc voilà, j'étais également accompagné de son frère Kraidar, qui lui est un peu plus rusher. J'étais pour ma première MOAB, c'est clair et net que je campais comme un gros porc, ça je tiens à vous le dire. Le petit cube qui est juste en face de Kashimira, j'arrêtais pas de camper, j'arrêtais pas de tuer tous les mecs qui montaient l'escalier, ils arrêtaient pas de péter des câbles. J'ai dit putain, bordel de merde, sale campeur de merde. J'étais tout stressé, j'avais les mains qui tremblaient, c'était un truc de fou, je vous jure. C'était un truc de fou. Une fois que j'ai débloqué ma mob, mes mains elles tremblaient, j'ai dit c'est pas possible, j'avais le cœur qui battait à mort, quoi. J'arrivais même plus à parler, et Mikado et Kraidar qui se foutaient de ma gueule, ils disaient putain bravo et tout, ouais. Ouais, c'est vraiment un excellent souvenir que j'ai. Puis finalement, maintenant quand je réalise un défi H-48 comme celui-ci, où c'était dans les plus de 300e MOAB que j'avais à ce temps-là, ça passait comme une lettre à la poste, quand vous avez vraiment l'habitude. Une fois que vous avez des centaines de mobs dans les mains, c'est complètement différent. Le stress, vous arrivez tout simplement à le gérer. Donc voilà, quand je repense à ma toute première mob et quand je vois ce gameplay là aujourd'hui, franchement, c'est vraiment de très bons souvenirs. Là, vous voyez une migration d'eau. Donc là, ce qui veut dire tout simplement que je n'étais pas l'autre. En croisant les doigts, je n'étais pas l'autre justement dans cette partie-là. Ce qui m'a permis justement de réaliser cette mob. Parce que sinon, j'aurais eu tout simplement la difficulté. J'aurais eu la pénalité imposée par le jeu au niveau de l'autre. Donc voilà, maintenant c'est clair et net que comme je n'étais pas l'autre, j'ai eu la possibilité, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelque chose dans ce Call of Duty. Et cela prouve bien, tout simplement bien que celui qui est l'autre n'arrivera jamais à rien faire sur le jeu Call of Duty. Celui qui n'est pas l'autre,
qui subit moins les temps de retard, parce que là je le subissais, ça il faut le dire, je le subissais ce temps de retard, mais je le subissais moins que l'autre. Ça m'a donné carrément la possibilité de concrétiser mon objectif. Voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui avec la P90, donc sur Akaden, ça je l'ai déjà dit. Franchement c'est... je sais pas quoi dire d'autre concernant ce gameplay, je suis désolé les gars, mais disons qu'ici pour le moment je joue énormément sur Far Cry 4, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. J'ai essayé de faire lui multi, malheureusement, je sais pas pourquoi, il n'y a pas encore de partie, il n'y a pas encore de multijoueur, j'ai trouvé aucune partie concernant le multijoueur de Far Cry 4, donc je sais pas si, à mon avis, il y a beaucoup de joueurs, tous les joueurs de Far Cry 4 sont vraiment omnubilés par le mode campagne, le mode solo, et ça c'est, ou le mode coopération qui, je vous l'assure, essayez le mode coopération avec vos potes, c'est génial, franchement, c'est un truc de malade. Bon, ici, je joue pas mal de temps avec Domassan, hein, que je vous ai déjà présenté à Matt et main de reprise dans mes précédentes vidéos. Donc je joue énormément avec Domassan en mode coop de Far Cry 4. On s'éclate comme des petits fous, je vous jure. On chasse ensemble, on attaque des zones ensemble. Donc franchement, c'est génial, on s'éclate. Maintenant, c'est clair qu'une petite modification qui est apportée par rapport à Far Cry 3. Sur Far Cry 3, en fait, vous pouviez tout simplement démolir toutes les antennes pour pouvoir dévoiler complètement la map de Far Cry 3. Ici, en fait, la petite modification, la petite chose qui est changé, c'est tout simplement que on a découvert les trois quarts de la map de Far Cry 4, malheureusement. Ici les 7-8 dernières, ils nous demandent obligatoirement de réaliser des missions en solo. Donc ce qui nous oblige, franchement ils ont vraiment bien réfléchi, ils ont dit on va quand même les obliger à au moins se débrouiller tout seul un petit moment pour vraiment découvrir en mode solo la map, parce que sinon si vous faites coopération tout le temps, bon oui c'est clair, c'est bien, c'est cool, on s'éclate avec ses potes, mais bon voilà, on a quand même beaucoup plus d'options de facilité à concrétiser, à dévoiler la map en coopération qu'en mode solo. Donc du coup on va les obliger un petit peu de se démerder tout seul, et je pense que c'est quand même super bien. Donc voilà, concernant les parties en multijoueur, comme je vous ai dit, je n'ai trouvé aucune partie multijoueur pour le moment. J'ai réussi à faire des parties privées avec Domassan, et je vous assure que si ce qu'on retrouve dans les parties personnalisées, donc parties privées de Far Cry 4, si ça se retrouve également dans le multijoueur, ça va vraiment être bordélique, parce qu'ils ont complètement changé la politique du multijoueur de Far Cry 4. De Far Cry 3 pardon, donc c'est complètement novateur, donc soit ça passe soit ça casse. Disons que sur Far Cry 3, le multijoueur de Far Cry 3 se rapproche énormément du multijoueur d'un Call of Duty, hein, donc c'est à dire qu'il y avait 5 ou 6 joueurs de part et d'autre d'une équipe, et on était muni de d'armes et on devait tout simplement s'entretuer. Il y avait le mode domination, il y avait MME, donc qui sont des modes, je veux dire, courants dans les FPS. Ici, la petite chose qui change, ils ont voulu vraiment innover, apporter de la nouveauté à ce jeu. C'est-à-dire qu'ils ont... oh merde, je l'avais pas vu celui-là. Trou du cul, campouze. Ils ont, en fait, si vous voulez, grosso modo, donc il y a des chasseurs qui sont munis d'armes. Donc il y avait des fusils à pompe, il y avait une AK-47, une arme de poing et un RPG. Et en fait, donc c'est tout... c'est une classe d'armes. Vous êtes obligé de prendre selon le camp dans lequel vous êtes. Donc il y aura le premier camp où sera muni d'armes. Et le deuxième camp, ce sont des... je sais plus trop le nom exact dans Far Cry. Ils ont apporté un nom assez précis de ce camp. Et en fait, ces gens-là qui seront dans ce camp bien précis ne seront pas munis d'armes. Eux, ils n'auront que l'arbalète ou un arc à flèche. Je pense que c'est l'arc à flèche. Ils seront munis de l'arc à flèche. Et ils seront également munis de pouvoirs. Alors quand je dis pouvoir, c'est un pouvoir d'invocation. Ils seront en mesure d'invoquer des créatures. Donc il y avait donc l'aigle, l'ours et le tigre. Donc c'est vraiment innovateur et ça m'a fait vraiment énormément penser aux MMO. Ou RPG, donc en fait vous avez un chasseur, vous avez plein de chasseurs dans un camp, et dans l'autre camp vous avez des invocateurs qui invoquent des créatures, l'ours, le tigre et l'aigle. Donc voilà, c'est vraiment, c'est complètement innovateur, c'est vraiment complètement différent
du multijoueur de Far Cry 3. Donc voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça se passe dans les jours et les semaines qui suivent, parce que bah, vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ont voulu voir un petit peu ce qui se passait dans le multi, vous l'avez remarqué, il n'y a encore aucune partie multijoueur, ce qui est quand même complètement taré, puisque le jeu est sorti, et il n'y a pas de multijoueur. Donc voilà, c'est quand même assez spécial. Donc dites-moi quoi dans les commentaires de la vidéo si vous aussi vous jouez à Far Cry 4. Donc voilà. Maintenant je me rends compte que j'ai pas trop parlé du gameplay. C'est clair que quand je mets un gameplay, je joue tellement à pas mal de jeux complètement différents que je parle d'un jeu au moment où je vous montre un autre jeu. Donc voilà, c'est un peu chaud. Il faut que je parle de tout et n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, bah, j'ai plus trop grand chose à dire. Regardez un petit peu mon score. J'ai réalisé un super beau score. En plus, je me tape la kill cam de fin. J'ai réalisé ma mob à la P90. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec une autre mitraillette. C'était Goliath. Salut les gens, bye bye!